Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Genshin Impact. On se retrouve du coup pour le troisième donjon, le dernier de l'histoire. Après, il y en a deux un peu random comme ça. Je les ferai. Faudra pas que j'oublie aussi de faire les différents défis et compagnie, histoire d'avoir un maximum de primogèmes, hein, pour peut-être, pourquoi pas, choper l'étoile polaire, hein, ça se trouve. Hein. Ouais, on y croit, hein, on y croit, on y croit. Bref. Du coup, j'ai déjà tout fait en avance, comme ça au moins on perd pas de temps, on n'a pas le blabla habituel. On va défoncer du coup les apôtres, j'ai ce qu'il faut pour les défoncer. Allez, c'est parti. Priorité blob. Ou pas en fait, priorité cela. Bon allez, on va accélérer un peu. Tu me diras, je peux faire ça. Oh, c'est plus efficace. S'il y a un mage, priorité mage, évidemment. Il est trop, il est trop. Oh, l'enculé. Allez, bouffe. Bouffe. Voilà, mon gars. C'est comme ça qu'on fait, on tire un charme. On va essayer de faire tous les tâches cette fois, comme d'habitude. Attention au carré noir, qui nous donne donc les fameux debuffs. C'est marrant, c'est des mobs hydro, mais on peut pas les... Ah. Là, il y a un carré noir. Là, vous le voyez. Là, il y a un saloperie de carré noir. Ok. Encore ? J'avoue que c'était pas le meilleur endroit pour déclencher l'ulti de Noël. C'était même littéralement le pire. Parce qu'il y a trop de trucs géo, en fait. Oh, merde. Ah, le débilus. Allez, on s'en fout. Hop là. Comment ça on... Ah, quoi ? Qu'est-ce qui... Quoi ? J'ai pas compris. Pour l'instant... Oh là 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 ! Mince, non ! C'est bon, c'est pas grave. J'ai Jean. Hop là. Comme ça, au moins, on est sûr. Non, on y va full Jean, on y va full Jean. Tranquille. Je me suis dit, bon allez, on va utiliser Noël. Non, finalement, il n'y a pas besoin. On est bien là, on est bien, on est bien. Non. Corrosion. Ok, donc le soin ne marche plus. Putain. Ah, oh, je suis dégoûté. C'est pas grave, on augmente nos stats. On pourra pas du coup se servir d'emplacement curatif. Parce qu'il n'y a aucun indicateur. Activez le mécanisme. Hein? Ça fait quoi? Oh, ça m'a servi à quoi d'activer le mécanisme? Ok, j'ai pu activer un mécanisme. Ah là! Là sur le poteau! Du coup. Aucune idée. Ah! 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 Oh! Oh! Dis donc! Ah! Excellent! C'est tout? Ok. Ah mais d'accord, la manivelle ça... Ok, la manivelle ça a fait popper l'échelle. D'accord, oui, c'est sympa dis donc. Déjà, on va casser ça. Casse pas le tonneau, touche pas au tonneau. Bon, on a un saut maudit, mais en vrai on peut s'en séparer. Merde. Ah non, 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 non. Ah, le pire mage de tous. Et le mage. Putain, mais quel fils de schlag! Ah putain, Manuel. Manuel qui va peut-être mourir. Du coup, on va éviter de la sortir tant que j'ai le saut maudit. Malheureusement, Manuel sert à rien. Attention. On l'a vu, celui-là. Mais ça va, ils ont la tête, ils ont pas la tête sur moi. Attention. On switch. Noël n'est pas morte. Putain, non. Balance ulti. On se taille. Merde, j'ai loupé. Ok, parfait, excellent. Le mage, on le garde en dernier. Il faut vraiment qu'on soit solo. Ah, putain de merde. C'est bon, le gros est mort. On sort pas Noël, ça sert à rien. On ne la sort pas. Ta mère. Ah, attends. De Yoimi est une bonne solution. Hop. Allez, c'est bon, il est tombé. Hop, attention à l'archer. En vrai, Yoimi peut se le faire, non? Non, on va plutôt utiliser la sûreté, voilà. Jean, c'est vraiment la sûreté. Hein? Oh, on peut pas retirer les sauts maudits, putain. Parce que là, je peux pas être soin, en fait. Ça me dérange. Oh, c'est marrant, ça. Pile avant le boss, alors que je peux plus me heal à cause du putain de saut maudit. On commence par lui, important. Faut pas le laisser... Oh, yes, il est mort. Excellent. Le mage. On balance. Non, j'aurais pas dû faire ça.
J'aurais dû faire ça quand l'apôtre il a plus de vie. Allez, on buff. Ça buff, regardez buff. Regarde les dégâts. Oh là là. Faut savoir que Mayohimiya elle est build en recharge élémentaire, c'est tout. Hey, il prend les dégâts. Oh. Oh, cette espèce de débilus, il prend les... Il prend ses propres pièges. Oh, c'est efficace. Oh, c'est efficace. Tellement plus pratique et plus rapide. Mais d'où t'es censé être touché là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de switch de perso quoi, il m'a pas laissé faire. Étape terminée, progression enregistrée, allons-y. Ce que j'aime bien dans cet étage, c'est que les salles ne sont pas trop... Elles ne sont pas trop, c'est pas un labyrinthe. Oh non, les clébards. Ah, oh, je supporte pas ces boss, ces mobs. Là ils sont 6, c'est que des petits. Les gros c'est vraiment les pires. Pire mob jamais créé. Moi qui pensais que le géosaure était le plus rageant, j'ai eu tort. Avoir un bouclier, ça reste quand même toujours efficace pour éviter d'être projeté dans tous les sens. Ils sont morts? Oui, ils sont morts. Non, il en reste un. C'est bon, il est mort. Allez, on tire un charme. S'il vous plaît, le saut maudit. Kokomi, Zhongli, Ganyu. Genre, alors, Zhongli, ça servait strictement à rien. Ganyu, elle est morte. Jean, ok. Très bien. Très intéressant. Et Kokomi, bah elle est en réserve, donc je m'en sers pas. Kokomi, ah putain, j'avais oublié, Kokomi, elle est pas build. Enfin, elle est... si, elle est build. Elle est build plus ou moins en DPS. Je l'ai foutu en full attaque. Mais le problème qu'elle a, c'est qu'elle a pas de... elle a pas d'aptitude, en fait. Attention, je le vois. Je le vois, ce petit salopio. Oh, vas-y. Attends, tu sais quoi? J'ai quand même pris les dégâts, hein, vous notez. Oh putain. Ah, casse-toi. Non, c'est ça que je veux casser là. Mais putain, ils se font heal. Ces machins là sont des mages. Laissez-moi le tuer, mais... Voilà, j'ai besoin de taper. J'ai besoin de taper. Au fur et à mesure que je joue Yoimiya, j'ai de plus en plus envie de la jouer. C'est incroyable. De toute façon, il n'y a pas des... Merde. Des bilus. Bon, c'est pas grave. Oh, les 5000... Oh là là, j'adore ça. Ah, oh, ça fait plaisir à voir. Non. Ah. Ah. Pas grave, pas grave. Oh, examinez. Zhongli, bah c'est pas grave, je comptais justement l'enlever. Oh non, j'aurais pas dû. Ah là, je suis dans le caca, là, je suis dans le caca. Les gros chiens, c'est les pires. Bon, ouais, tant pis. T. Hop là. Parce que les chiens, c'est trop horrible. Ok, on a eu les petits. Oh putain, Jean, elle va crever. Oh là 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 là. Ah. Oui, on a eu le petit. Non, on n'a pas eu le petit. Allez hop. Il. Ouh. Un healer DPS, franchement, c'est ce qu'il me faut. Kokomi, je sais pas si elle est capable de faire ça. Pas trop, pour l'instant, de ce que je peux voir. Mais Jean, elle est capable de DPS tout en faisant du heal, et ça, c'est cool. Mais le healer DPS, mais qu'est-ce qu'on l'attend, celui-là? Théoriquement, il y a Noël, mais voilà, c'est pas non plus ultra rentable, Noël. Même si, en vrai, non, Noël, c'est plus accès défense que heal. C'est pas vraiment un... C'est un healer, mais c'est pas accès heal, quoi. Jean, c'est accès heal, par contre. Je préfère vraiment prendre mes précautions et de toute manière ça fait du DPS donc je dois le faire. De toute façon Jean elle heal sur son attaque. Donc, voilà. Elle aurait été bien plus forte si elle avait pas eu bonus de soins en stats augmentable. Là ce qu'on va faire c'est ça. Oh merde. Prochain emplacement curatif, on le dégage. Explosif. Ah oh, des dégâts pyro. Oh Yoimiya. Mais elle, en vrai Yoimiya c'est bien ça. Attends, ouh, j'ai failli aller dedans. Faut que je me débarrasse du... Hop. Oh bah je me... Oh. Mais lâche-moi. Oh non, des chiens. Mais en vrai, Yoimiya... franchement, plus je la joue, plus j'ai envie de la jouer. C'est incroyable. Franchement. Mais Jean aussi. Hein. Jean aussi, ça fait partie des personnages que j'aurais... que j'aimerais un peu mieux build. Des personnages qui m'intéressent. Genre là je me dis il y a Utao qui va arriver. Si je l'ai pas c'est pas grave, c'est pas mon personnage, c'est pas un personnage de cœur Utao. Moi c'est surtout eux là qui m'intéressent. Bon vas-y je les soulève. Aïe hop. Oh, regarde-moi ça. Ouf. Yoimiya qui est même pas build, qui va défoncer un truc pareil. Allez boum. Mince. Ah bah il est mort. Pour l'instant là je tiens avec deux persos, hein. C'est incroyable. Des persos qui sont pas connus pour être très forts, tu vois. Donc on n'est pas si mal. Le malus que j'ai reçu n'était pas tant un malus que ça au final. Hein. Attends, il n'y a pas des mages? Je m'en rappelle plus. Non, vas-y. C'est exactement ce qu'il faut pour défoncer les saloperies de chaman.
Oh là là. Nick. Ok. C'est bon, tranquille. Tranquille, en plus il prend cher. Avoir de la portée, c'est ce qu'il faut. Mais vas-y, ta race là. Il va se barrer, non. Il va le heal. Casse-toi. Ah, oh, mais on peut être free, c'est chiant. Déjà. Ok, on sort Yemia. Ta race. Allez hop, ta mère. Ta mère la grosse chatte. Ah, oh, c'est pas le plus efficace, c'est vrai que... Vas-y, fais péter. Fais péter, fais péter, fais péter, fais péter. On s'en fout de la comp du skill. Pas du skill. On s'en fout du déchaînement élémentaire. Ta race. Oh, c'est tellement bien. Mais Yoimiya, en vrai, elle les active super bien, les trucs. Allez, c'est fini, ciao. On tire. Ah bah non, on peut pas tirer, c'est la fin. Oh, il y a tout le blabla. C'est vrai qu'il y a tout le blabla. Allez, un petit combat de boss pour finir la quête. Ah, c'est une cinématique. C'est une cinématique. Parce que l'animation et le style d'animation n'est pas pareil. Ceci est un souvenir. Bon, ça, je vais peut-être la laisser. はっきり言うが彼女はもう戻ってこない。小生はただ彼女の広大を助け、この領土を守りたいだけだ。滅すべき対象が亡くなり、守るべき人も平和を得た今、我々の使命は終わったと言えよう。小生は時が許すなら 一生ここで死を続けられるとずっと信じていた。このような言い方は小生自身を危うく騙してしまうところだった。お主は決して小生のようになるなよ。安心してくれ春之助、僕は分かっている。君が稲妻のためにしてきたことは他人が意味を与えていいものじゃない。そして僕の存在もそれと同じ。当初 お主に冷静を注ぎ込み、人の感情を理解できるようにさせたが、やはり正解だった。結局、小生を啓発してくれたのはお主だったな。C'est la pipe de Ningguan. あしたに光眼あってセロに誇れども、 夕べに白骨となって光源に朽ちぬ、いい言葉だ。これでも小生に心残りはない。我が友式大将よ、自らの使命をよく果たしてくれた。もう待つ必要もない。小生は新たな意味を求めて再び出発する時だ。これでさよならだ春之助。 Il est derrière, il va se barrer. Il va se barrer en scred. Subete o moidashita. Harunosuke ni mihanasareta wake janai. Boku wa kare o settoku shi, kare to issho ni kono kokoro no meikyū o detanda. Un petit combat contre Tarta pour finir? Non, quand même pas. Bon, comme d'hab, hein, si vous voulez savoir l'histoire, faites l'event par vous-même. Hein. Bon, je vais pas vous mettre ça. C'est malaisant. Ah, ça c'est intéressant. On a perdu contact. Ah, aurait-il abandonné? Lui, il va pourchasser Scaramucha, donc on va le revoir. C'est pas fini. Il va où là? Il va dans le mur. Ok, épreuve terminée. On va quitter. L'event est terminé, mais il y a encore deux donjons. Là, c'est du bonus. Ouais, tu vois, je fais la vidéo super tard. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein. Elle était un peu plus longue, je pense. On a fait un peu tout, mais au moins, j'ai plus ou moins fini tout ce qu'il y avait à faire. Là, je vais juste
faire, les différents défis que je peux. Bref, sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Si le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à tous, bye tout le monde. Et j'espère que vous avez kiffé. Il y a encore deux vidéos, hein, vous inquiétez pas. Allez, bye.